nous tenons à informer la diaspora congolaise sur les coulisses de la visite de Jean-Dominique Okemba en France, notamment à l'ambassade du Congo à Paris. Le neveu du dictateur Denis Sassou Nguesso avait été dépêché dans la capitale française pour mener une série d'enquêtes sur les personnalités de l'opposition qui critiquent rigoureusement le régime de Brazzaville. Selon une source bien introduite au sein du régime, JDO, pour les intimes, a remis une importante somme d'argent à certaines figures corrompues de la diaspora pour mener une série d'actions d'empoisonnement sur certaines figures de la résistance, tout en occasionnant des morts par accident de voiture. Nous appelons à la plus grande vigilance de certains opposants. Prenez garde à vous, les amis. Faites attention avec qui vous mangez. Si possible, évitez de faire des longs trajets seuls ou accompagnés en voiture. Prenez le métro ou le RER. Ne vous rendez pas seul dans un hôpital. Soyez toujours accompagné. Ne buvez pas de liquide dans une bouteille déjà ouverte. Voici une série d'actions prudentes que vous devriez adopter. C'est une information à prendre au sérieux. La dictature de Brazzaville se donne corps et âme pour mettre la main sur la personne qui publie les audios sur cette chaîne YouTube, jemainformetv.com. Pour cela, nous souhaitons bon vent au service de renseignement de l'empereur Mboshi. Prudence, cher ami de la résistance. Paris, la capitale du Congo libre. Au revoir.